que ça va aller? Oui. Où est-ce que tu courais aussi vite sans regarder devant toi? Oh, j'essayais de rattraper papa qui est parti de la maison en oubliant son déjeuner pour ce midi. Tellement il était pressé. Oh, 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 voilà son autobus, je vais le manquer, il faut que j'y aille. Papa! Papa! Est-ce que tu es blessée, ma petite chérie? Réponds-moi, réponds-moi. Papa. Ah non, vraiment, cette fois, c'est trop. Je trouverai, c'est fou. C'est la troisième fois que ça arrive ce mois-ci. Et à chaque fois, ces bandits profitent de la panique créée par l'explosion pour attaquer une banque. Ah oui, c'est clair. C'est toujours la même bande qui applique cette nouvelle tactique. Une bande qui serait dirigée par Tony Cartaro. Eh oui, c'est le suspect numéro un, mais il est très malin. Il ne laisse jamais l'ombre d'une preuve contre lui. Si vous le permettez, je vais m'occuper de cette affaire. Non, pour le moment, c'est absolument hors de question. Je veux que vous terminiez d'abord cette affaire de corruption. Ensuite, on verra. Oh, vous avez du rouge à lèvres sur le col de votre chemise. Comment? Je ne dirai rien à votre femme, rassurez-vous. Merci. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de rouge à lèvres. Revenez tout de suite ici, c'est un ordre, revenez! Oh, papa, ton déjeuner, tu l'avais oublié à la maison. C'est bien, mon petit lapin. Repose-toi, je t'en prie. D'après la police, ces actes de terrorisme aveugle sont commis par la même bande de criminels qui en profitent pour attaquer des banques. C'est bien ce qui s'est passé ce matin, comme nous l'avons appris. Nous passons maintenant à la météo. Oh, quelle époque! C'est vraiment incroyable que des bandits utilisent des moyens pareils. Ils sont de mieux en mieux armés et de moins en moins arrêtés et condamnés. Ah, je sais qu'il y en a certains qui se fichent complètement de tout ce qui peut arriver au reste de la planète, mais... tu réponds, Laurent? Tu n'entends pas la sonnerie? Je ne suis pas à ton service, alors réponds toi-même. Oh, on ne peut plus se cultiver l'esprit tranquillement. Allô, j'espère que vous êtes très belle. Je regrette, mais je ne peux plus rien faire pour toi tant que tu n'auras pas tenu toutes tes promesses. Oh, c'est dommage, j'avais besoin d'un cavalier. J'ai une envie folle de sortir ce soir. Et c'est moi que tu appelles pour sortir avec toi? Oh, mais alors ça change tout. Tu peux compter sur moi, c'est d'accord, à ce soir. Je crois que cette fois, on va régler nos vieux comptes. Est-ce que je peux savoir qui a téléphoné? Personne, personne. C'était une erreur de numéro. Ça n'avait vraiment pas d'intérêt. Sinon, je te l'aurais dit. Bien, tu penses? Oh là là, oh. Je ne le crois pas un instant. Attention, Gérard, prépare-toi. La bombe devrait bientôt exploser. Allez, d'accord. Avec l'argent que je viens de retirer de notre compte en banque, il ne reste pratiquement rien. Ça, c'est inquiétant. Il faut que j'arrive à convaincre Nikki de travailler davantage. Enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, madame. C'est une bombe! Encore une explosion? Personne ne bouge! Les mains en l'air, allez vite! Et mettez tout l'argent dans le sac, youpi! Allez, donne-moi 7, ouais! Oh. C'est pas vrai! Ils ont aussi pris l'argent que j'avais dans la main! Arrêtez! Ça ne se passera pas comme ça! T'es pas trop mal quand tu veux, tu sais. Oh,
Quelque chose me dit que je lui ai fait beaucoup d'effet. Voilà, on est arrivé. On passe tout de suite à table. Oh non, on a toute la soirée devant nous. Pour commencer, je te permets de m'offrir un verre. Bon, comme tu voudras. Je vais nous faire préparer un cocktail qui va te rendre folle amoureuse de moi. Ça va être dur. Ah, toujours le mot pour rire. À l'heure qu'il est, les autres ont dû déjà arriver au bateau. D'après les informations données à la radio, le coup a fort bien réussi. Tiens, voilà. Très bien, donne-moi ton verre et après tu me laisses tranquille. Quoi ? Tu as parfaitement compris, je ne veux plus te voir. Je m'ennuie avec toi, alors tu fiches le camp en vitesse. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es folle ? Je ne suis pas folle, tu me fiches la pêche qui est assez vue. Mais tu veux rire, non ? Pardonnez-moi d'intervenir, mais sauf erreur de ma part, ce jeune homme débraillé semble vous importuner. Absolument, et je ne veux plus le voir. Oui, je vous comprends. Oui. Je trouve tout à fait déplacé de vouloir sortir avec une femme aussi raffinée quand on est habillé comme cela. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tenue ? Je me trouve très bien comme je suis, moi ! Ah oui ? J'ai bien peur que vous soyez le seul. Tout le monde n'a pas les moyens ni le goût d'être habillé comme une gravure de mode. Très amusant. Tout le monde devrait aller se faire faire des costumes chez un tailleur londonien, avec bien entendu une chemise sur mesure. Le foulard est en soie, comme vous avez dû vous en apercevoir, et mes chaussures viennent du meilleur bottier italien. Vous devriez carrément laisser les étiquettes dessus, avec les prix, bien sûr. Mais je ne vous permets pas. Ah, voyons, du calme. Hein. Un homme de votre classe ne se laisse pas aller à la violence devant une femme, voyons. Bon, puisque je suis manifestement de trop, je préfère m'en aller et tout de suite. Je ne comprends pas qu'on se complaise dans le vulgaire. Oh, je vous remercie de votre intervention. Mais ce fut un plaisir, petite madame. Puis-je vous inviter à venir vous asseoir à ma table ? Oh, non, je préfère rester seule. Je vous demande pardon. Et puis, vous n'êtes pas du tout mon genre. Mais je... Oh. Non, attendez une petite seconde. Je trouve vos façons très cavalières. Monsieur Larson, téléphone ! Monsieur Larson ! Oh, excusez-moi, la jeune femme qui était avec vous vous envoie ceci, vous voyez ? Hein ? Ouais, mais... Je croyais pourtant vous avoir dit que je préférais rester seule. C'est très mal élevé d'insister. Alors au revoir et bonne soirée. Montre Saint-Gris, cela va être beaucoup moins facile que je ne l'ai cru. Mais elle ne sait pas encore qui je suis. Je n'ai pas l'habitude de renoncer si vite quand quelque chose me plaît autant. J'espère que Nicky ne sera pas trop fâché contre moi. Oh. Elle joue bien la comédie. Elle aurait dû être actrice. Moi, j'ai marché comme un imbécile. J'avais rien compris du tout. Heureusement qu'il y a eu ça. Sinon, je serais parti sans m'occuper d'elle. Vous le voyez bien, il était écrit qu'on passerait la soirée ensemble, vous et moi. Vous employez toujours la manière forte avec les femmes ? Quand elles me plaisent beaucoup, ça m'arrive, oui. J'ai l'habitude d'obtenir ce que je veux, ventre Saint-Gris. C'est ce que j'ai cru remarquer, monsieur. Écoutez, je peux être un compagnon très agréable, vous ne vous ennuierez pas un seul instant avec moi. Et je vous offrirai tout ce que vous voudrez si vous acceptez d'être ma compagne. Il ne marche pas, il court. C'est très tentant, mais j'ai besoin d'y réfléchir. Eh bien, prenez tout votre temps, je suis très patient. Enfermez-la dans la cabine, Vertuchou. Laissez-moi tranquille. Je veux mon argent, vous entendez? Je veux mon argent. Et tu vas la fermer, oui. Pas tant que j'aurai pas mon argent. Bigre, d'où sort cette braillarde? Qu'est-ce qu'elle fait sur notre bateau? Je veux l'argent qu'ils m'ont volé à la banque. Je veux qu'ils m'aient... Pardon, elle vous a suivi depuis la banque, Fichtre. Contre notre volonté. Bigre et ventre Saint-Gris de rechef, je réfléchirai à son sort quand j'en aurai le temps. Pour l'instant, fermez-la dans une cellule de la cale. À tout de suite, boss. Oh,
Laura va compliquer la situation. Ah, patron, ça m'ennuie de m'exprimer de la sorte, mais cette fille ne me dit rien qui vaille. Je croyais pourtant que tu aimais les grandes brunes bien en chair. À vrai dire, je m'en méfie extrêmement. Ne t'inquiète donc pas, Gérard, je me méfie de toutes les femmes. Va dire aux autres que nous levons l'ancre, Bigre. Mais à vos ordres, voyons. Ah, ça y est, on dirait qu'on lève l'ancre. Il faut que je sorte vite de là. Oh, c'est toi ? Je ne l'ai pas te laissé partir en croisière sans moi. J'en rêve depuis tellement longtemps. Elle risque d'être agitée, la croisière. Hé, tu as raison. Tout à l'heure, j'ai vu des hommes chargés sur ce bateau des valises remplies de billets. C'est certainement l'argent volé récemment dans toutes ces banques. Et c'est bien la bande qui a frappé ces derniers temps. Cet argent en est bien la preuve. Il ne te reste plus qu'à prévenir tes supérieurs maintenant. Mais tu es bizarre, on dirait que cette affaire te tient particulièrement à cœur. Dis-moi pourquoi. Tout simplement parce que je ne supporte pas les lâches qui font des victimes innocentes. Je me suis promis de leur faire payer très cher. Puis-je entrer ? Non, attendez un tout petit moment. Entrez. C'est bizarre, pendant un instant j'avais cru entendre parler. Ah, oui, c'est moi, quand je réfléchis, je le fais souvent à haute voix. Bien, je vois. Est-ce que vous avez déjà pris une décision ? Ce canapé est moins confortable que je ne le croyais. Oui, j'ai pris une décision. Je me suis dit que ce serait bête de se trouver sur un aussi joli bateau sans en profiter pour s'amuser. Eh bien, bravo, profitez-en. Non. Vous êtes trop pressé. Je crois que vous savez très bien vous contrôler. Oui, on a tout le temps. Et vous allez devoir quand même faire quelques efforts pour me séduire. Ah bien. Eh bien, entendu, comptez sur moi. Dans ce cas, je vais vous sortir le grand jeu et vous verrez, vous allez vite devenir folle de moi. Oh. Comme toutes les autres, d'ailleurs. À bientôt. Laissez-moi sortir d'ici. Je veux rentrer tout de suite chez moi, vous entendez ? Je veux rentrer chez moi. J'en ai assez ! Je te conseille de te taire. Bon, alors je vais procéder différemment. J'ai peur dans le noir. Je voudrais avoir quelqu'un avec moi qui me prendrait dans ses bras. Je serai très douce avec lui. Je ferai tout ce qu'il voudra. Oh oui, tout. C'est-à-dire que... Tous les mêmes, hein. Dès qu'on leur parle comme ça, ils accourent. Il est trop lourd pour moi. Bon, maintenant je dois me débrouiller pour trouver mon argent. Et je me demande où a bien pu passer Laura. Alors c'est ce genre de bombe qu'ils utilisent. Je comprends que ça fasse des ravages. Non. Au travail. Je ne vais pas laisser Nicky faire tout seul. Voilà l'argent. Eh bien, tu vois, nous aurions dû nous méfier de cette fille. Oh, je me sens pas bien. Oh, j'ai le mal de mer. Hein? Attention, ne restez pas là. Qu'est-ce que... Attention. On fait des rencontres inattendues sur ce bateau.
Si tu es là, il y a des chances que Nikki soit dans le coin. Je m'occupe de ces minables. Profitez-en pour vous cacher. Allez. Très bien, on y va. Attends-moi! Tu les as vues? Où elles sont? Peut-être eussé-je dû t'écouter, Gérard. Si elle s'est fichue de moi, elle va le regretter. Ce n'est pas tout, mon cher chef. Apparemment, elle a un complice à bord. Mazette, nous allons cette petite escapade en mer est pleine d'inattendus. On va bientôt arriver à l'endroit fixé pour le rendez-vous. C'est grave, cela. Parfait. Bien, de toute façon, il n'y a aucun risque. Ils ne peuvent pas s'enfuir à la nage. On s'occupera d'eux une fois que nous aurons procédé à l'échange. J'aime à vous l'entendre dire. N'hésite pas. Vous avez la marchandise promise. Naturellement. Des mitrailleuses, des grenades, des fusils automatiques, tout ce que vous avez demandé. Il y a vraiment un choix illimité quand on a de quoi payer. Suffisant. Et voilà, la dernière pièce. Eh bien, nous allons nous quitter. Oui, j'espère que nous ferons d'autres affaires. Merci et au revoir. Hola, pas si vite. Restez où vous êtes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On peut savoir qui vous êtes. Je suis lieutenant de police. Tout le monde est arrêté. Ah, c'est bien fichu de moi, propre Saint-Gris. Et moi, je n'ai rien vu du tout. Ça, c'est votre gros problème. Vous vous croyez irrésistible avec les femmes. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez une minute. Mais enfin... Je crois que cette fois, vous avez perdu la partie, mon cher. Tu n'as pas une chance contre nous tous, Blanc-Bec. Tu ferais mieux de te rendre. Mais qui nous tire dessus, là? Je ne partirai d'ici qu'avec mon argent. Attention, Nora, ils vont tous nous tuer. Arrête, c'est dangereux. Elle n'écoutera personne. Allons-nous-en, c'est l'enfer. Je ne peux pas rester là une seconde de plus. Ah, voilà une affaire réglée. Ces bandits vont tous prendre un bon bain, ça va leur rafraîchir les idées. On ne sent pas bien. Ah, il fait moins le malin maintenant. Et c'est pas fini. Je ne crois pas t'avoir déjà vu comme ça dans le passé. On dirait presque que tu lui en veux personnellement. C'est tout à fait vrai. Je dois bien reconnaître que cette fois, j'en ai fait une affaire personnelle. À cause de cette petite fille. De la petite fille? Oh, oh, c'est pas vrai! Tout mon argent est parti sur l'autre bateau! Je le veux! Je veux mon argent! Ne t'inquiète pas pour ça, la police te versera une jolie prime. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une explosion! Le bateau coule! Mais c'est la pompe! Tout le monde, la pompe du monde! Mais c'est trop tard! Voilà. Nous allons toucher une belle prime. J'espère bien. Voilà, maintenant, je suis en pleine forme. Oh. Bonjour, madame. Je suis passée prendre de tes nouvelles. Ça va mieux. C'est gentil de passer me voir. Et je ne suis pas venue les mains vides. Tu pourras mettre le déjeuner de ton papa dans cette boîte toute neuve. Oh, merci. Ça lui fera sûrement plaisir.
Tu vas pouvoir le gâter, ton papa, et lui préparer plein de bonnes choses pour son déjeuner. Oui. C'est pour cette petite fille qu'elle a fait tout ça. Ah, je comprends maintenant. Pour cette fois, je ne vais rien lui demander. アンジェラ王女の護衛の件、ロバートと組むことにしたぜ。ロバート？昔ちょいと組んだことがあるやつなんだ。同業者なら100万力ね。王女のガードもバッチリじゃない。彼紳士みたいだし。ところがどっこい危険なやつさ、腕だって俺と互角だ。リョウ、負けちゃダメよ。あったもうよ。王女ともっこいすんの俺が先。そっちを頑張るなっての。シティハンター2、さらば友よ。心に響くラストのショット全編見ないとハンマー。